Coucou tout le monde, aujourd'hui n'est pas une vidéo comme d'habitude, malheureusement. On ne fait pas de vidéo M&A, là c'est seulement A. Et je pense qu'il n'y aura plus jamais de M&A. Je ne pensais pas un jour à devoir faire cette vidéo. Mais le problème c'est qu'avec Manu on ne s'entend plus. Les pranks, les vidéos qu'on fait, tout en fait c'était une image. On faisait genre d'être content. Et malheureusement, notre relation peut pas continuer comme ça. On est juste en train de se détruire. Et je suis trop triste de faire cette vidéo. Mais bon, bref. Mais non, les gars, je rigole! Bon, dans les commentaires, dites-moi qui a cru. Bref, les gars, on se retrouve pour un prank. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, M. Who is. Where is M? M is not here. Today is only A. Anaïs. Donc aujourd'hui, on va pranker Manu. Les gars, un prank tant attendu. On va le pranker, on va lui faire croire que je suis plus amoureuse de lui, que je veux le quitter, que je suis pas heureuse. On va voir jusqu'à où on peut pousser le bouchon. J'ai trop hâte de voir. En vrai, je pense que il va pleurer. Non, je rigole, les gars, je sais pas. Ça serait bien s'il pleure, ça montrerait qu'il tient à moi. Bref, les gars, cessons de parler et commençons le prank. Let's go. Et ma veste rouge. Tu crois que je vais ranger ta veste? Ouais. Papa, tête. Quoi? Ouais, je... Tu fais exprès? De quoi? Non, mais c'est que je t'ai dit par message que je voulais qu'on parle. Fais-moi un bisou, qu'est-ce que t'arrives, frère? Fais-moi un bisou. Non. Quand j'embrasse quelqu'un, on est censé m'embrasser. Pourquoi je m'embrasse pas? Tu fais exprès? Non, je t'ai dit qu'on devait parler. Ah ouais, mais on peut parler, mais attends, c'est un petit bisou. Non, attends, Manu! Mais je t'arrive quoi? Non, j'ai vraiment envie de te parler. Dire quoi? Et là, j'ai envie de te dire que depuis que je suis enceinte, je trouve que tu prends pas assez soin de moi. Quoi? C'est faux. Non, c'est vrai. C'est une blague. Non. Si. Non. C'est faux. Je te dis que non, Manu. Mec, je prends soin de toi à mort. Ah ouais, vas-y, je fais quoi? Je te fais à manger. Je t'achète à manger. Je t'achète des vêtements. Je te fais des masques. Tu m'as fait une fois des masques. Ah au moins, je l'ai fait. Voilà, je peux dire, je l'ai fait. Ouais, une fois. Mais je t'ai dit, tu prends pas assez soin de moi. Là, tu fais que une fois. Il y a des hommes qui le feraient pas du tout. Je l'ai fait. Ouais, bah à ce moment-là, il y a des hommes qui font beaucoup plus que toi. T'as rencontré quelqu'un? Quoi? T'as rencontré quelqu'un? Bah du moins, c'est ce que j'aimerais faire, parce qu'en fait, genre... même avec les réseaux et tout, je sais pas, genre, ça me saoule d'être en couple avec toi. Je trouve que t'es irrespectueux, je trouve que tu es méchant, je trouve que tu me traites très mal, je trouve que tu me manques de respect. Annie, fais pas le choc parce que tu sais que j'ai raison. Ça se fait pas, ce que tu dis. Mais c'est pas une question que ça se fait pas, c'est une question que c'est la vérité, en fait, tu le sais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Manu, tu sais très bien. C'est faux. C'est faux. Il y a rien de faux. C'est faux. Si, c'est faux. Ah, c'est faux. C'est une blague. Mais puis, c'est pas faux, je te jure. Pourquoi tu rigoles? Parce que ça me fait trop de la peine, tu me fais grave de la peine. C'est soit moi, soit les réseaux. Mais Anaïs, c'est comme si tu me disais... C'est soit moi, écoute-moi, soit... d'accord, je peux avoir un argument. C'est comme si tu me disais, ok, là, demain, j'étais footballeur. Et genre tu me dis, c'est soit le foot, soit moi. Mais attends, le foot c'est mon métier, genre, tu vois ce que je veux dire? C'est soit moi, soit les réseaux. Mais arrête Anaïs. Arrête. Mais s'il te plaît, arrête. Donc je te quitte. Tu me quittes pas, c'est faux.
Après, ça veut dire c'est faux, Manu. C'est arrête, Anaïs, mais c'est, Manu, c'est faux. Donc, en fait, à la place, toi, à la place de dire ouais, ok, je m'en balais des réseaux, il y a que toi, toi, t'es encore en train d'hésiter. Mais je sais pas, Anaïs, c'est juste notre travail. Moi, je t'étais. Mais et alors t'es borné, en fait. Mais et alors t'es censé dire qu'en fait, tu me préfères moi à n'importe quoi. Mais oui, je te préfère toi, mais il faut travailler dans la vie, c'est ça le sens d'une vie. Mais et alors, va travailler autre part. Comment ça travailler? Je comprends pas. En fait, c'est les réseaux sociaux qui te saoulent. Mais pourquoi tu prends le prétexte de me quitter? Laisse tomber, c'est juste que je veux plus tout ça, je veux qu'on ait juste une vie basique, plus de réseaux sociaux, plus rien. Non, c'est faux, viens. Ah non, c'est vrai. Donc tu me dis. Donc là, en fait, t'hésites même pas. T'es, en fait, t'hésites. Tu oses hésiter. Ah, poteau, toi et moi, c'est terminé. Hein. J'hésite pas, ça rien. Ah, si, si, ah, un homme capable, non, c'est un juste... homme capable, c'est en train de dire je ferai tout pour toi et je reste avec toi, peu importe le truc. Mais non, c'est juste, j'essaye de comprendre. Je comprends pas, en fait. Genre, je comprends vraiment pas. Tes arguments, ils sont bancals, c'est un truc de ouf. Genre, en fait, j'ai l'impression, bah, tu me quittes parce que. Comment ça, laisse tomber? Toi, moi, c'est terminé, c'est bon. Toi, moi, c'est terminé, c'est bon. Et le bébé, tu fais comment? C'est une garde alternée. Mais t'es sérieuse? Ah oui, je. Quoi? Tu pleures? Vas-y, tu pleures. C'est trop méchant, c'est trop. Pourquoi tu pleures? Non, c'est juste, c'est trop méchant, Anaïs, frère. T'es sérieuse ou quoi? Ah bah, t'as quand même pas hésité en fait. J'ai pas hésité de quoi? À la place de ouais, je ferai tout pour rester avec toi, toi tu l'as. En gros, je te dis, je te quitte et toi tu dis pas, je fais tout pour toi. Tu t'en mais c'est même pas ça, c'est que tu m'aurais dit, Anaïs, tu serais venu comme ça vers moi, tu m'aurais dit, écoute, Manu, les réseaux sociaux, en ce moment, j'ai pas envie, j'en ai marre. Je t'aurais dit, d'accord. Mais là en fait, tu dis, si tu quittes pas les réseaux sociaux, je te quitte. Mais en fait, notre vie, elle se résume pas avec les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. C'est nous deux avant tout, je comprends pas. Bah oui, c'est bien ça, donc c'est nous deux avant tout. Donc normalement, c'est nous deux avant tout. Donc là, pourquoi t'es pas dans cette optique-là, nous deux avant tout? Parce que, en fait, avant de me proposer l'idée d'arrêter et de chercher autre chose, tu as émis l'idée de me quitter avant tout. Ça a rien à voir, en fait. Soit t'as mal formulé ton truc, soit je suis désolé, t'as mal préparé ton discours ou quoi que ce soit d'autre, mais. Ok, du coup on se quitte ou pas? Mais non, pourquoi tu veux me quitter? Moi je veux te quitter. Arrête, frère, arrête. Moi je te quitte, Manu, c'est fini. Moi c'est fini, Manu. Mais arrête de faire cette tête. T'en trouveras une autre. Manu, t'en trouveras une autre. Manu. Je m'en fous. T'en trouveras une autre. De toute façon, je m'en fous. Tu t'en fous de quoi? Une de perdu, dix de retrouvé. Bah voilà! Putain, laisse-moi. C'est lâche-moi, frère, avec ta tête là. Puis tu rigoles, frère, t'as un pardon, vas-y, casse-toi. Bébé! Lâche-moi! Bébé! Bébé, reviens! Manu, reviens! Manu, reviens, je peux pas me lever! Manu, reviens, je te dis un dernier truc, après. Ne lève pas, sa grosse vache! Viens! C'est vrai ou pas? Mais non, c'est faux! Sérieux, Anaïs, c'est vrai ou pas? C'est faux! C'est un
T'as eu vraiment peur? Je savais, je suis sûr, c'était sûr, c'était faux. C'est faux. Mais pourquoi tu mens? T'as pleuré, ma gueule? Non. Si t'as pleuré, j'ai vu Manu sur le sac. Manu, si? Non. Ok, bah je te quitte pour de vrai alors. Non. C'est faux. Tu veux que ça soit vrai ou ça soit faux? Mais tu veux que je te nique ou quoi? Tu veux que je te quitte ou pas? Vas-y, vas-y. Non, viens. Oh, tu veux que je te quitte ou pas? Non. Non? Non. Fais-moi un bisou et je te quitte pas. C'est quoi ce bisou? Non, tu sais que t'es mime. Mais t'es quoi ça? Manu! Manu, putain, m'a quoi vu? En plus, tout à l'heure, je vais te dire, on voyait trop ton zizi. Quand? On voyait deux petites boules comme ça. Vous avez caché derrière le rideau. Non, sur ce. Le petit rideau moutarde. Sur ce, et comment penses-tu du prank? Est-ce que tu as vraiment cru ou pas pour de vrai? Mais petit! Je l'aime plus. Non, mais tu as vraiment cru ou pas? Non, genre, tu crois que j'ai pas cru? Espèce de remarque, je vais te pleurer. Vas-y! Ah! Est-ce que ça t'a fait de la peine? Oui. Donc en fait, tu resterais sur les réseaux à part, et ne pas me choisir moi? Bah oui. Ah, oh, d'accord, non, pas du tout. Donc, non. C'est une fin de vidéo? Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Prends tes affaires, pars. Pars, c'est moi, je te quitte. Vas-y, dégage. Elle veut la caméra. Dégage. Tu m'aimes trop. Je t'aime pas. Tu vas faire quoi avec Adrien? Prends ça, dégage. Tu vas faire quoi avec Adrien? Je le renie, je le veux plus. Mais t'es dingue. Ah, Anaïs, elle a brisé mon cœur et mes couilles. Les gars, en vrai, je pense que ça a été un bon prank. J'ai eu la réaction que je voulais. Manu a montré qu'il tenait à moi avec cette vidéo. Est-ce que tu tiens à moi? Pas du tout. Je rigole. Il a peur que je meurs d'un coup. En vrai, putain, j'ai trop aimé de faire le prank. Les gars, par contre, je sais pas si vous voyez, mais genre, je faisais que rigoler. Genre, je mettais ma main comme ça, je rigolais. C'était trop drôle. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et dites-nous si vous voulez plus de prank. Et dans la barre des commentaires, dites-moi ce que je fais pour me venger. Parce que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, mais surtout en vidéo. Ok, t'as compris? T'as compris? Non! Bref, abonne-toi. Et gros bisous, à la prochaine, les gars. Salut! C'était M&A!